C'est bon? C'est bon. Pardon? Ah, super. D'accord. Ça peut aller, hein? D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je suis particulièrement très émue de vous voir nombreux réunis ici pour répondre à ce rendez-vous. Je sais que personne ne s'attendait à ce rendez-vous à cet instant précis, au vu de l'événement assez triste qui s'est produit il y a moins de 48 heures. Et en même temps aussi, je peux comprendre votre inquiétude. Je peux aussi comprendre que vous êtes là parce que vous êtes inquiet. Et vous vous demandez bien pourquoi est-ce que j'ai bien tenu à ce qu'on ait ce rendez-vous aujourd'hui, sachant que je suis en train de passer un moment qui mérite plutôt du calme, qui mérite plutôt, c'est-à-dire un moment de réflexion, un retrait, parce que je sais quand même qu'au fond de vous, vous savez que je ne suis pas une personne qui aime bien faire ce genre de, qui aime bien organiser ce genre d'événements pour parler soit de ses activités, soit d'elle-même, mais qui aime surtout
fait parler d'elle par son savoir-faire. Je peux le comprendre et tout à l'heure vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce qu'on ait ce moment pour procéder à ce point de presse. Et je crois qu'à la suite, vous saurez me pardonner. Quand je parle de pardonner, ça ne veut pas dire que voilà, j'ai péché. C'est vrai que nous sommes tous des pécheurs. Parfois même sans le savoir, mais pardonnez parce que vous ne me connaissez pas ainsi. Donc, si j'ai tenu à avoir ce point de presse, c'est parce que après observation, après lecture de tout ce qui se passe autour de moi sur les réseaux sociaux et avec cet événement triste passé, mardi 4 avril 2023, il était temps pour moi de mettre en lumière des stress que je suis en train de consommer toute seule dans mon coin. Pas peut-être parce que j'étais impuissante pour pouvoir venir en public en parler, mais parce que je me disais que le respect que vous me donnez, je me disais que la grandeur que vous me donnez me permet ou bien m'oblige à prendre du recul face à certaines choses. Vous m'avez à un moment donné reproché le fait que je sois beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux pour me justifier. On dirait que je n'avais rien à faire. Je vous avais écouté et j'ai pris le retrait. Vous avez constaté qu'en février, il y a quelqu'un qui a fait une sortie et cette personne n'est nul autre que le scénariste de la série Miraculée, dont la projection a eu lieu vendredi 31 mars dernier. Quand il a fait la sortie pour vous faire comprendre que voilà, la productrice de la série ne met pas le scénariste ni le réalisateur en avant dans le projet. Quand il vous a fait comprendre que la productrice était une manipulatrice, était une égoïste, une personne qui ne voulait gagner que seule, j'ai pensé à vos conseils et j'ai pris du recul pour vous montrer que réellement, quand vous avez eu à me demander si je n'avais souvent rien à faire, j'ai compris que j'ai mis à faire. Je me suis concentrée sur le travail. Je n'ai fait aucune sortie et je tiens à vous dire merci parce que vous avez été nombreux à me défendre en ce moment-là. Vous avez été nombreux à lui faire comprendre que ce dont il réclamait existait sur la fiche que j'ai publiée. Son nom était bel et bien écrit sur la fiche de la série. Et même dans la publication qui présentait officiellement cette affiche. Pareil pour le réalisateur. J'ai pris ça comme une erreur, comme une faute, comme tout autre. Je suis passée dessus. Je n'ai pas tenu compte de cette diffamation-là parce qu'elle était grave. Mais j'ai pardonné. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce qu'il a fait était léger, contrairement à ce qui se vivait en interne. Parce que ce samedi 18 février, qu'il fait à sortir, ce que vous ne savez pas, c'est que l'affiche n'a pas été le travail, c'est-à-dire le travail imposé par une seule personne, comme on a bien voulu vous le faire croire. Quand je fais ma proposition de vision
à l'infographe pour la conception de l'affiche. Dès qu'il fait la première maquette, j'envoie à mon collaborateur. Peut-être qu'il serait mieux que je commence par la genèse de la chose pour que vous sachiez réellement qui est le collaborateur. Miraculée série est née en octobre. C'est-à-dire que c'est le lundi 10 octobre que je fais une publication pour appel à scénario. Je voulais en fait un scénario pour une web série, mais parmi des centaines de scénarios reçus, je suis tombée sur le scénario de Miraculée qui m'a franchement touchée et je me suis engagée sans toutefois réfléchir. Dès que j'ai parlé à son porteur, il m'a fait comprendre que le projet était prêt, tout était organisé et qu'il ne manquait que le financement. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. On s'est pris rendez-vous, on a discuté sur les clauses de contrat et autres. Le contrat a été signé. Mais seulement, quand je descends à Melun pour confirmer les sites, c'est-à-dire le repérage qu'ils disaient avoir fait, j'arrive à Melun, je ne vois rien. Quand j'arrive au carrefour Melun, il entre dans une boutique kiosque d'un ami et puis il me conduit quelque part là en bas. J'arrive, je trouve des malades dehors, apparemment un tradit praticien. Et je suis restée sur ma soif. Puis ils m'ont conduit à Bourgou. Quand j'arrive à Bourgou, on m'amène à la villa Luciole. Je visite où je ne vois toujours pas de site qui correspond avec le scénario qu'il m'a servi. On m'amène chez le chef traditionnel de la localité, de cette localité-là. Quand j'arrive, serré sur le gâteau, le chef me fait comprendre qu'il préserve l'homogénéité dans cette localité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les étrangers ne sont pas les bienvenus dans cette localité. Je suis allée, l'hôtel était à payer, on a passé la nuit. Le lendemain, j'attendais qu'on me dise que peut-être on n'a pas pu visiter d'autres sites parce que, il faut. Il me dit, il y a des sites là-bas vers la montagne que tu vois là. On ne pourra pas visiter maintenant parce que pour arriver là-bas, c'est un peu compliqué. Je dis d'accord. Mais dans ma tête, je savais déjà que c'était même pas faisable à Melun. Quand je retourne à Melun, nous sommes le 23 octobre. J'ai déjà fait la publication du projet sur les réseaux sociaux, jusqu'à publier la date du casting qui devait avoir lieu le 29 octobre. On a moins une semaine pour le casting. Je suis obligée de chercher un autre village ou bien un endroit avec des paysages qui correspondent aux paysages que demande la série. C'est comme ça qu'en me renseignant, j'accroche sur Bansouin. Quand je regarde quelques images de ce village-là, je dis, le scénario pourra bien épouser les paysages de ce village-là. Donc, je l'appelle, on s'assoit, on en parle, on est d'accord. J'oublie d'abord mes dépenses effectuées inutilement pour la confirmation du repérage qu'il disait avoir fait. Je mets d'abord ça de côté, je ne tiens pas compte de ces dépenses-là. Je vais à Bansouin le week-end du 13 novembre. Quand j'arrive là-bas, je fais le repérage, je lui envoie les images et tout. Il m'avait fait part d'un ami qui souhaitait en fait qu'il soit l'assistant réalisateur, Monsieur Ina Pierre.
s'appelle Toby Bidianga. Quand je parle de mon collaborateur depuis, on parle là de Toby Bidianga. Toby me fait comprendre que aucune des images que j'envoie ne correspond à son scénario. Je lui demande donc de me proposer ce qu'il avait pour qu'on puisse faire une comparaison. Il n'avait rien à me fournir. Je lui rappelle que ça ne fait pas 2 semaines était à Melon et tu m'as fait marcher inutilement. Je prends le risque de prendre le volant pour Melon. Je paye toutes les factures possibles. À l'heure où nous sommes, le public est déjà au courant du projet. Le casting a été fait. Tu me dis que tu n'es pas d'accord par rapport à Bonsoir, mais tu ne me proposes rien. Qu'est-ce que tu veux finalement? J'envoie donc les images à son assistant réalisateur, Ina Pierre, qui saute dessus et me dit waouh, ça cadre bien avec l'histoire. Je dis d'accord. Je lui renvoie donc la conversation avec Toby, censé être réalisateur. Je dis, il vient de me cracher dessus en me disant que ça ne cadre, ça ne marche pas. Je lui dis, de toutes les façons, les dépenses sont déjà engagées, la production doit suivre son cours. Et il n'y a qu'une seule option, me rembourser. Et même si tu me remboursais, tu dois pouvoir me dédommager parce que je ne déclare pas un projet au public pour faire marche arrière. Ça, ma réputation en jeu. On a suivi le projet. On s'est entendu sur un partage de 70% pour moi, la productrice, et 30% pour lui. Il est revenu, me dit, il lui faut 1 million de francs CFA pour pouvoir tenir ses poches durant le projet. Je me suis opposée et je lui ai dit, voilà, s'il faut le faire, il va falloir que tu revoies ton pourcentage. Mais après, un de mes mentors m'a dit, tu sais, tu cherchais à redonner à la société ce qu'elle t'a donné quand le monde te tombait dessus. Les sacs de riz roses que tu comptes offrir aux personnes moins privilégiées. Tu peux le faire autrement en développant des stratégies pareilles pour qu'ils puissent aussi tenir certaines mains sur d'autres projets à travers le pourcentage que tu leur donnes. Je tiens, c'est-à-dire on garde le pourcentage net et on s'accorde pour les 1 million qui n'était même pas, c'est-à-dire que c'était un argent donné comme ça qui n'était même pas dans le contrat. Ce n'est pas stipulé dans le contrat. On lui dit donc on va te donner 500 000 pour le moment, la période du tournage et 500 000 pour la période de la post-production. Sauf que quand on arrive à Bonsoir, on se retrouve face à quelqu'un qui a tenu à amener un assistant réalisateur. Je vais vous prendre un exemple. Je vais dire un assistant réalisateur, je vais dire incompétent, parce que c'est ça le mot. On ne va pas mâcher les mots. Je prends un exemple pour prouver son incompétence. L'acteur principal, qui est le chef Njigaba, échoue. Le personnage incarné par Echu. Ils m'ont donné, après dépouillement, une totalité de 49 scènes pour ce personnage-là. Quand j'arrive, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je travaillais en même temps qu'eux. C'est-à-dire que tout ce qu'on me donnait comme information, c'était des choses. Quand je prends un scénario pour produit, je travaille et le dépouillement et tout. Je les regardais faire. Donc, quand ils m'ont donné les 49 scènes pour le chef, je leur ai demandé le nombre de jours que le chef devait passer sur le plateau. Ils m'ont dit 4 à 5 jours, pas plus. J'ai dû aussi envoyer un. Et il a fait son programme par rapport à ce qui était dit. Quand il arrive sur place, lui-même découvre qu'il est face à plus
centaine de scènes. Il a signé le contrat pour 49 scènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renégocier son contrat. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. En plus, sans compter les acteurs qui arrivent, qu'on fait débarquer sur le plateau, qui ne tournent pas, et que je dois prendre en charge. J'ai pris tout ça comme des erreurs qu'on peut gérer, qu'on peut corriger. On a fait le tournage, on a traversé des hauts et des bas. J'ai même failli être tapée par celui que j'ai fait signer comme réalisateur. Cette réalisation, on a couvert ses manquements pour lui attribuer le titre de réalisateur, tout simplement parce qu'on s'est dit qu'on était en famille. Sinon, je n'aurais pas peur de le dire aujourd'hui. Parce que le sauveur de ce scénario, c'est Stéphane. Stéphane Day. C'est Stéphane Day qui donne une certaine cohérence à ce scénario. Je l'ai couvert. J'ai couvert beaucoup de choses. Sans savoir que ce sont des choses qui allaient me renverser. Je me suis retrouvée parce que je savais que bon, j'ai un réalisateur, j'ai quelqu'un qui va tenir l'équipe, je serai juste là pour tenir mon personnage et tout. Je me suis retrouvée à la réalisation. Je me suis retrouvée presque partout sur le plateau. Tout le monde est témoin. Je pense qu'il y a des acteurs dans la salle. Et que personne ne peut nier. Et je tiens à féliciter ces acteurs qui ont pris le temps de lire le scénario, de comprendre le scénario et d'être capable de dire à ce soi-disant réalisateur quand ça n'allait pas, que ça ne peut pas se passer comme cela. Tu ne peux pas dire que cette scène va être réalisée telle que tu le dis parce que. Ça leur a même valu des insultes. Mais on a supporté parce qu'il fallait que le projet finisse. Quand on rentre du village, tout le monde a été payé. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un, un acteur, qui n'a pas été payé avant son retour du village. Technicien comme acteur. Dès la fin du clap, j'ai soldé tout le monde. La nuit de ce samedi, j'ai passé toute la nuit à solder tout le monde. Quand on arrive à Douala, il me demande, par rapport au reste de ces 500 000, je lui dis, je suis désolée, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Il n'y a plus d'argent dans la caisse. Tu es conscient du fait que j'ai avancé 200 000 à celui que tu as imposé comme assistant réalisateur et les 200 000, il n'a même pas travaillé 15 jours et vous avez tous été témoins de son incompétence. Dès que j'ai accélérer les choses, il est parti de lui. Je ne lui ai même fait une lettre de mise à pied, une lettre de démission. Il est parti. Quand on sort du plateau, on vient trouver qu'il a démé, qu'il a porté ses effets. Il est parti. Tu ne m'as jamais demandé, tu ne m'as jamais dit qu'au vu des actes de cet ami, voici ce que tu engages pour pouvoir me restituer cet argent qui se balade dans l'air. J'ai laissé tomber. C'est la vie qu'on cherche. C'est le futur qu'on cherche, c'est pas l'argent. Maintenant, tu es au courant de tes manquements qui ont orchestré des extra charges sur le budget de la production. Comprends donc qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse. Mais je te promets une chose. Je suis en train de me battre. Je me bats à chercher des moyens pour rentabiliser la présentation officielle du projet à Canal Olympia et dès que je l'aurai fait. D'ici début avril, je commence d'abord par te donner les 500 millions. Il n'a voulu rien comprendre. La semaine qui suivait, c'est le scénariste qui va faire un commentaire désobligeant. Ensuite, une publication. Je les interpelle. Je demande à Toby Bizanga qui est l'auteur du scénario.
Parce que sur ce contrat que vous voyez, quand il vient signer le contrat avec moi, sur le titre scénariste, il est bien écrit là, Arnaud Teguia, Tsoko et Alou. Il est bien écrit là, Arnaud Teguia, Tsoko, slash, c'est-à-dire là-bas, Toby Bilanga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux auteurs de ce scénario. Je les interpelle les deux. À trois, on a eu une discussion par rapport. À la suite de cette décision, je leur dis, il y a des échanges. Hein. Nous sommes des frères et nous sommes dans un monde où l'amour tourne. Et il ne sert à rien de faire des problèmes. Arnaud, je vais te faire venir à Douala. Et donne-moi juste le temps d'évacuer le stress du tournage et la planification de la communication autour de la présentation officielle. On va s'asseoir et on va refaire ce contrat ensemble. Je demande le contrat du scénariste à Toby Bidzanga. Il a été incapable jusqu'à cet instant précis de me fournir le contrat qui le lie avec Arnaud Teguia. Ce qui couvre la série jusqu'à aujourd'hui, ce sont les déclarations que j'ai recueillies lors de nos échanges sur WhatsApp et les enregistrements, les voices qu'il envoyait. Je me disais que l'affaire, c'est-à-dire, ça avait trouvé une solution parce que j'étais arrivée à une conclusion où j'ai fait comprendre à Toby que même si tu as eu à modifier quelques dialogues sur le scénario, ça ne fait pas de toi l'auteur du scénario. Et même si tu as eu à payer un per diem à Arnaud, un scénariste mérite. Un scénariste. Quand vous gérez les choses en amitié, on n'a malheureusement pas les moyens pour payer comme il se doit un scénariste. Tu lui promets même 1% des revenus sur l'exploitation du projet. Pour pouvoir lui faire comprendre qu'il a un avenir sur l'exploitation de l'histoire qu'il vient d'écrire. Ça fait partie de son histoire aussi. Parce que ça entrera définitivement dans les archives de sa carrière. À ma grande surprise, le 18 février, après avoir publié l'affiche officielle le 17 février, Arnaud Teguia a fait une sortie, me diffamant en portant atteinte à l'image de mon investissement parce que je suis l'unique investisseur de ce projet. Je suis l'unique investisseur de ce projet, ce qui dit clairement que je suis l'unique propriétaire de ce projet et je suis l'unique personne ayant cette qualité de pouvoir donner mon oui sur l'exploitation de ce projet. Quand il fait la sortie, j'appelle Toby. On a eu une assise. On a parlé avec le doyen, M. Rigobert Echaud. Il a par la suite demandé les excuses. Jusqu'au dimanche 19 février, il ne faisait que me demander les excuses. Je lui ai dit, c'est passé. Dès que je publie la bande annonce que tu as refusé catégoriquement d'aller au studio chercher, sélectionner les scènes que je t'ai demandé de faire, on refait surface avec une autre déclaration, me traitant de tout. Même jusque-là, je reste tranquille.
Je suis restée l'autre jour, c'était deux semaines avant, c'est ça, deux semaines avant l'événement de Canal Olympien. Bon, avant d'arriver à cette mise en demeure, j'ai, d'après les sorties du scénariste, observé le silence de Toby. Tu as tes 30%, c'est-à-dire que ton futur est couché quelque part dans un projet. Mais tu ne fournis aucun effort pour protéger ce projet. Et tu nous fais comprendre que tu n'es pas un influenceur pour aller sur les réseaux sociaux me défendre. Je lui ai dit, Toby, ce n'est pas moi que je veux que tu défendes, mais l'image du projet. Et le faire, c'est quoi? Il y a toute une équipe. On avait un WhatsApp groupe travail. Il ne s'est jamais prononcé à l'intérieur. Il suffisait seulement que tu ailles dans le groupe, dis les gars, ne laissons pas nos efforts fournis aller en feu. Je ne suis pas d'accord avec ce que Arnaud est en train de faire, le scénariste est en train de faire. Allons sur la place publique défendre l'image de ce projet qui nous a coûté des nuits blanches. Voilà tout ce que j'attendais de lui. Il ne l'a pas fait. Quand j'ai pris ça, j'ai mis sur le fait qu'il n'a pas contribué à l'affiche, il n'a pas contribué à la bande-annonce. J'ai demandé au monteur qui est Steve Fosso de lui interdire l'accès au studio. Parce qu'il ne peut pas permettre, il ne peut pas se permettre de me dire, voici ses justificatifs, pour ne pas participer ni à la fiche ni à la bande d'annonce. Il dit clairement, ce n'est pas le moment de faire une affiche. Ce n'est pas le moment de faire une bande d'annonce. Je lui demande, Toby, je lui dis, tu as raison de... Dis tout ce que tu es en train de dire. C'est moi l'investisseur. Tu ne sais pas où est-ce que j'ai pris l'argent pour mettre dans ce projet. Tu ne sais pas quelle est ma stratégie, c'est-à-dire mon plan pour pouvoir rentrer dans mon investissement. Tu ne ressens aucune pression. Ça, je peux te comprendre. Ici, tout est clair que si ça ne dépend que de toi, le projet peut même faire 2 ans au studio. Tu n'es pas perdant. Tu sais que tu vas tourner, aller faire des plateaux, tu vis. Tandis que moi, si j'avais pris cet argent à la banque, je vais aller bagarrer avec la banque. J'ai demandé au responsable du studio de montage, Steve Fosso, de lui interdire l'accès parce qu'il démontre sa mauvaise foi de faire évoluer le travail. Et par conséquent, il est en train de freiner la rentabilité de mon investissement. Ça m'a valu cette mise en demeure servie par le cabinet Ndacha Rigobert Zola. Et qu'est-ce qu'on dit dans la mise en demeure? On me demande, dans la mise en demeure, on me dit ceci, suivant contrat subvisé, il a été convenu d'un commun accord que vous assurez l'expertise technico-artistique de l'œuvre dont s'agit, tandis que notre client, M. Bidzangabela Tobi, assure sa réalisation ainsi que le développement du scénario. Moyennant partage des revenus, à savoir 70% pour vous et 30% pour le dit concepteur. Contre toute attente, hormis le fait que vous vous êtes approprié de son œuvre, vous vous êtes permis de nouer les partenariats à son insu, avec des tiers sans rancune, sans aucune contrepartie de sa part. Ce en violant des dispositions du contrat qui vous lie. Ce que je voudrais savoir, on parle là d'une œuvre en post-production. Je vous ai dit vendredi dernier, à Canal Olympia, qu'on était en train de présenter le condensé d'une série
qui est en plein travail. Quand on me dit, premier point, de m'être approprié d'une œuvre, j'aimerais bien que vous me dites qui est le propriétaire de cette œuvre. Quand on me dit qu'à son insu, je noue des partenariats, j'aimerais bien que vous me dites en quoi la nature de mes financements devrait intéresser ou interpeller M. Tobie Bidama. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, je mobilise des millions, que je viens enterrer sur un projet. Et il faut maintenant que je te tienne la main pour t'amener partout, pour te montrer que, comme tu me vois payer le caméraman à 500 000, j'ai eu les 500 000 de telle entreprise, et voici ce que tu gagnes. Est-ce que c'est le contrat que j'ai signé avec lui? J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. En avance. Quand j'ai lu cette mise en demeure, je me suis posé la question à savoir si l'avocat était là pour l'aider ou s'il était là pour l'entraîner de plus en plus dans la bêtise. J'ai continué à m'occuper du projet jusqu'à la projection que vous avez vue l'autre jour, jusqu'à la présentation que vous avez vue l'autre jour. Lundi à 13h, M. Steve Fosso, le responsable du studio de production, m'appelle à 13h pour me dire, Flavien, Toby vient de voler tous les disques au studio. J'ai dit pardon. Toby vient de voler tous les disques au studio. Je suis sortie, en revenant, il était assis sur mon bureau et ma copine m'a appelée dans la chambre. Je suis allée écouter ce qu'elle voulait me dire. En ressortant, Toby est parti avec tous les disques. Je lui dis bravo. Tu as eu à demander à Vouric TV quand il avait besoin de la bande d'annonce pour publier sur son site, pour amener le public à faire des préachats sur la série. Tu lui as demandé de m'appeler pour avoir mon consentement avant d'avoir la bande d'annonce. Je t'ai félicité. Comment se fait-il que tu laisses accès à Toby? Et quand tu arrives, tu le vois même sur ton bureau. Tu ne réagis pas. Tu ne fais rien. Tu viens juste m'informer qu'il est parti avec les disques. Mettez-vous à ma place. Un projet, tout un investissement est attaqué. Je te donne des instructions que tu ne respectes pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Sachant que ce gars m'a déjà montré qu'il est prêt à tout parce qu'il a failli me taper dessus le village. Il m'a copieusement insulté avec une telle vulgarité que je ne permettrai pas à ma langue de répéter ces mots. J'ai donc fait arrêter Steve Fosson. Oui. Depuis lundi soir, il est en cellule. J'ai dit, je t'ai donné des instructions pour protéger mon investissement. Tu ne l'as pas fait. J'ai besoin de mes disques, je ne veux rien entendre. Steve m'a fait comprendre devant les enquêteurs que je n'ai pas qualité de lui dire qui entre chez lui ou pas. J'ai dit d'accord, pas de souci. On est lundi. Mardi, je sors de chez moi très tôt. Mon but n'était pas de l'enfermer. Mon but, c'était de lui faire mettre la pression sur son ami pour que mes disques sortent. Mardi, j'ai passé la journée à fournir des efforts
pour avoir mes disques. Mais si Toby Bitanga envoie le voice en disant que en avouant détenir les disques et en disant qu'il les a remis à son avocat, je prends donc le numéro de l'avocat, je l'appelle, je me présente et je lui dis que son client vient de me dire qu'il détient mes disques et ces disques-là contiennent ma série, une série produite entièrement par moi et dont je suis l'unique propriétaire de l'œuvre. L'avocat me fait comprendre. Madame, il dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à la mise en demeure? Je lui dis, je n'ai pas répondu à la mise en demeure parce que, en fait, ce pourquoi vous me reprochiez, je ne me suis pas reconnue de m'être appropriée de l'œuvre. Comment vous voulez que je réponde à une mise en demeure qui m'accuse? En fait, c'est une diffamation en fait. Et je lui ai dit, s'il fallait que je réponde à ça, c'est une citation directe que je t'aurais servi. Parce que ça, c'est une diffamation. Tu viens de dire là que je m'approprie de quelque chose, tu m'accuses de m'approprier de quelque chose qui m'appartient. Soit ton client a mal expliqué les choses, soit tu encourages ton client à être malhonnête. Maintenant, parlons du disque, qu'est-ce que vous en dites? Il me dit, je ne suis pas responsable des actes de mon client. S'il a pris les disques du studio, vraiment ne m'appelez plus pour cette affaire. Je retourne parce que en ce moment, j'étais dans un restaurant. Je retourne à Bonanjo. Rendre compte aux enquêteurs que voilà ce que l'avocat de Toby Bitanga est en train de dire. C'est là où l'enquêteur me montre l'avocat de M. Steve Fosso. Je parle avec cet enquêteur qui me dit être en train d'aller porter plainte dans une brigade de recherche afin qu'on puisse avoir Toby Bitanga et récupérer les disques. Donc, on se sépare. On se sépare. Ça fait comment? Allô? Donc, on se sépare. Il est 15h. J'arrive à la maison. Le temps de me garer, Steve m'appelle et me dit, Flavia, on a trouvé une solution. En fait, Gislaine Towa vient d'avoir Toby et Toby a dit que vous pouvez vous rencontrer chez son avocat situé à Bonamoussa du Carrefour et tout. Et là-bas, tout, il va remettre le disque. Je dis d'accord. Je garde, j'entre, je m'assois, Gislaine m'écrit en me disant il faut qu'on se retrouve au Carrefour et tout, au bureau de l'avocat de Toby. Je dis à Gislaine que même. Quand vous me demandez de venir au Carrefour et tout, pour voir Toby et tout, vous avez informé les enquêteurs, il dit non. L'avocat de Steve est où? Il me dit, il sera là. Je dis d'accord. Entendez-vous donc, vous récupérez les disques. Il me dit non, Toby a demandé que tu sois là. Il ne va pas venir avec les disques. Il va juste venir pour une négociation. Et si tu es d'accord par rapport à la négociation, il va donc programmer une autre assise pour ramener les disques. Je lui ai renvoyé le message en lui disant, il faut lui dire que je n'ai aucun ordre à prendre de lui. Jusqu'ici reste mon employé. Même si je ne me suis jamais comporté comme un employeur, il reste mon employé. Et au stade où on se trouve, je ne suis pas son égal, je ne suis pas sa femme. Et la responsabilité de récupérer les disques vous incombe. Je n'ai aucune responsabilité à suivre votre voleur. C'est à vous d'aller chercher mon travail et mon investissement. Ils m'ont mis la pression, ils ne faisaient qu'écrire, ils m'appelaient Anaël Simon,
Gabi Gounou. À un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai réduit, j'ai déposé le téléphone sur la table. Fatiguée, un sommeil de pas plus de 10 minutes m'emporte. Je me couche sur le tapis à côté de l'enfant qui dormait. Donc, apparemment, quand on était même en train de parler, il y avait déjà la fumée qui a commencé. Les voisins ont toqué fatigués au portail. C'est une voisine qui a eu la présence d'esprit d'aller sur la page, sur ma page Facebook, prendre mon numéro et appeler sans cesse. Quand tout le monde lui dit non, elle n'est pas à l'intérieur, elle dit non. Quand cette voiture est garée, c'est qu'elle est là. Je suis seule du sommeil. Je prends le téléphone. Elle me dit, madame, sortez de la maison, il y a l'incendie chez vous. C'est là où je me rends même compte qu'il y a la fumée. La maison était sombre de fumée déjà. Pas moyen de récupérer quoi que ce soit. Habillée en un cycliste et le soutien, je suis sortie de la maison rien qu'avec ce soutien et ce cycliste et mon enfant. Si j'étais partie à ce rendez-vous, peut-être ma fille ne me vivrait plus. Ça va aller, madame. Vous savez, il y a des choses qui arrivent parfois dans la vie. Tu veux prendre. Tu te dis que ce sont des erreurs et des effets. Ce sont des circonstances naturelles. Mais quand tu essayes de réfléchir un seul instant, en profondeur, tu te demandes pourquoi est-ce que ça arrive. Quand je pense qu'avant de quitter Bonanjor, Steve m'a proposé une solution. D'aller à la maison vérifier les disques de sauvegarde et de les ramener, ça va lui permettre de brancher sur la machine et de retrouver le projet Mondi. Et que j'arrive chez moi à peine entrée, vous me bombardez, vous me harcelez pour un rendez-vous qui était d'ailleurs inutile parce que je n'avais aucune responsabilité à aller retrouver mes disques que vous avez délibérément laissé entre les mains de celui que vous appelez votre ami. Qu'est-ce que l'avocat faisait, l'avocat de M. Steve Fosso, pour ne pas prendre les dispositions de s'entendre avec celui qui détient les disques? Qu'est-ce que Ghislaine Towa ainsi que tous les autres amis faisaient pour ne pas prendre les dispositions d'amener leur ami à remettre mon travail et mon investissement pour se mettre à me mettre la pression? Donc il fallait automatiquement que j'obéisse aux ordres de quelqu'un que je paye. Voilà quoi on m'a réduit dans ce projet. Au point où on va sur les réseaux sociaux, on fait comprendre que je me suis mise en avant sur le projet. Je n'ai pas demandé à être Flavien Chattax. J'ai pris du temps pour travailler pour cela. C'est depuis 2009 que je travaille pour cela. Si vous êtes dérangé parce que ma notoriété a mis mon image en avant sur ce projet, mon investissement a mis mon image en avant sur ce projet, je suis désolée, je n'ai aucune excuse à donner. Et sachez que tant que je ne vais pas retrouver mes disques, M. Steve Fosso va rester entre les mains des autorités compétentes, à qui je dis déjà merci d'avoir compris ce problème et d'avoir pris le temps pour mener les enquêtes nécessaires
pour faire valoir les droits de chacun et mettre chacun face à sa bêtise. Si j'ai tenu à faire ce point de presse aujourd'hui, c'était tout simplement pour vous faire comprendre que ce que vous avez vu mardi, cet incendie n'est rien par rapport au stress que je cumule depuis des mois. Mais que je mettais tout ça. Je me disais que c'était des erreurs à réparer. Aujourd'hui, je vois des cinéastes qui se mobilisent. Parce qu'il y a un confrère qui est en cellule. J'aimerais bien que ces cinéastes-là demandent à ce confrère s'il m'a un seul instant respecté en laissant son ami. Parce qu'il a même fait comprendre aux autorités que c'est son ami. Est-ce qu'il a respecté l'investisseur en permettant à son ami d'emporter mes disques, mon investissement, qui est aussi ma vie? Pourquoi vous faites ça? Quand le projet a été diffamé sur la toile, quand mon image a été diffamée sur la toile, qui a osé se mobiliser ou mobiliser les cinéastes pour me défendre, pour demander quel était mon intérêt dans ce projet, pour demander pourquoi est-ce que tu réclames le titre de scénariste alors que le titre scénariste est mentionné sur la vue et sur la publication de la dame. Parce que vous avez compris que les réseaux sociaux, chacun peut écrire n'importe quoi et chacun avale. Il est donc arrivé un temps. Il est arrivé le moment qu'on comprenne que le cinéma a son aspect juridique. Le cinéma a les clauses qu'on doit obligatoirement respecter. Le cinéma n'est pas un carrefour où des personnes qui ont raté des concours, des personnes qui n'ont plus rien à faire de leur temps, de leur diplôme, doivent venir se réunir pour passer du temps à débattre des futilités. Réclamez ce qui vous revient. Réclamez ce que vous pouvez justifier. Verser, c'est-à-dire lyncher quelqu'un à la vindicte populaire quand vous avez des preuves palpables. À la suite de ce point de presse, je vais mettre certains documents à la disposition du public. Monsieur Tommy Bidiama n'arrivera jamais à me faire perdre en crédibilité. Parce que je vois bien que c'est ça son objectif. Qu'il sache que j'ai le droit, j'ai la capacité de reprendre le tournage de cette série et personne ne va m'empêcher de le faire. Qu'il garde les disques, qu'il ne garde pas les disques, Miraculeux va exister. Miraculeux va exister. Je ne fais aucune négociation pour exister. Et je ne ferai aucune négociation pour marquer mon existence. Tant que je sais au fond de moi que je ne suis pas parfaite et que je t'ai donné ces 30%, qui est d'ailleurs rare, je ne me vante pas. Il y a beaucoup de producteurs que quelqu'un vient en public dire où il a déjà perçu 30% d'un producteur. C'est-à-dire que tu viens avec un scénario. Vous savez tous à quoi on fait les scénarios de 52 et puis 104 épisodes. Ce scénario vaut quoi sur tout l'investissement? J'ai commandé une caméra de... une caméra Permagic 6 pour ce projet. Ça coûte combien? J'ai déporté toute l'équipe pour le village pour ce projet. Qui ont été nourris. Avec toutes les charges qui vont avec. À un moment donné, chers frères et sœurs, il faut qu'on se donne des conseils utiles et des conseils surtout humains. Le tout n'est pas l'argent. Là où vous croyez peut-être que vous pouvez bloquer quelqu'un
parce que vous pensez que ces moyens sont limités. Sachez que il y a des moyens sociaux qui peuvent vous surprendre dans vos souhaits. Je n'irai pas si loin que ça. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que ne vous inquiétez pas. Oui, je dirais que j'ai perdu, mais je vis encore. Personne ne me fera fuir le Cameroun. Personne ne me fera fuir le Cameroun, ni le milieu cinématographique. Personne ne fera changer Flavien Tchatat. Il est arrivé tant que je sorte de mon trou et que les injustices que j'ai eues à faire part sur ma page Facebook et qu'on a pris pour les pleurs, il est temps que je matérialise cela. Les observations que j'ai eu à faire et qu'on a ramenées sous l'ombre des pleurs, tout simplement parce qu'on vous a présenté une personne qui avait délibérément choisi de rester en retrait pour ne faire parler quelque part son travail. On est venu vous faire croire que elle ne pouvait résister que sous une culotte. Ça, ce n'est pas Flavienne. Il est temps que vous le sachiez. Pour conclure, Steve restera entre les mains des autorités jusqu'à ce que je retrouve et mon travail et mon investissement. Et pour tous ceux qui disent que le vol, je suis allée sur les réseaux, je ne suis pas responsable des informations relayées sur les réseaux sociaux. Un acte de vol a été posé au studio. Je n'ai pas fait de sortie depuis le jour où l'incident a eu lieu pour dire qu'il y a eu cambriolage. Si les gens ont compris qu'avec ce mot comme cambriolage, ils pouvaient se faire des abonnés, ça les engage. Je ne me porte responsable que de ce que je, de ce qui sort de ma bouche. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de me les poser. Merci. C'est la question que je venais de vous poser. C'est à vous de me donner une réponse pour que ça puisse aussi m'aider dans la série des images qui circulent dans ma tête. C'était moi, c'était ma question. Je sais pas comment... Justement, vous posez une question. Vous reposez une question que j'ai eu à vous poser. Alors, bon après-midi. Je m'appelle Emiran Biasso. Je travaille pour Dash Media. Du courage, parce que évidemment tout à l'heure j'ai failli couler une lame, parce que c'est dur à encaisser,
Mais la question que je voudrais savoir, parce que tout le temps dans votre propos, vous dites que c'est votre employé ou c'est l'employeur, ce qui voudrait dire qu'au départ, il y a eu un accord, naturellement, qui est conclu par un contrat. Mais est-ce que le job description a été évidemment bien défini à l'avance? Parce que j'ai l'impression que dans la matérialisation de votre entente, de votre accord, il y a des points d'ombre en fait. Finalement, on ne sait pas qui donne les instructions, qui reçoit les instructions. Est-ce que le contrat a été naturellement établi, protégé? Est-ce que chacun a eu ses prérogatives? Parce que finalement, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'à la fin, vous devez être en train de réclamer quelque chose qui vous appartient. Finalement, l'œuvre appartient à qui? C'est la question qu'on voudrait évidemment comprendre parce qu'on n'a pas bien perçu. Très bonne question. Ce contrat stipule quoi? C'est un contrat qui lit Flavien, Ndiacho Chatat Flavien et M. Bidzanga Bella Tobi. À l'article 1, on a l'objet de la convention. L'objet de ce contrat est l'engagement de la maison de production Divine Hills en qualité de producteur exécutif. Pour produire l'œuvre ci-après dénommée Miracle. Et quant à, c'est-à-dire au niveau de la rémunération, qui est l'article 3.2, le producteur exécutif s'engage à produire l'œuvre, la série Miraculée. En respectant des normes requises de la production, afin d'assurer la rentabilité du produit fini. Tandis que M. Bidianga Bella Tobi s'engage à assurer la réalisation et le développement du scénario. Vous voyez donc, sauf si je me trompe, on a une relation entre producteur, c'est-à-dire investisseur, et quelqu'un qui apporte le scénario et son expertise en réalisation. J'aimerais bien vous renvoyer pour mieux vous orienter, pour qu'on soit tous d'accord. On n'est pas ici, franchement, oubliez que voilà, j'ai eu un souci. Voyez Flavienne devant vous. Ne voyez pas une Flavienne qui a subi un coup, parce qu'il faut que des vérités soient dites. N'ayez pas froid aux yeux. C'est important pour l'avenir de cette industrie que nous voulons tous construire. Et on ne peut construire une industrie que dans la vérité. Au vu de ce que je viens de lire, est-ce que vous comprenez qu'il y a eu un investissement donnant droit, un investissement financier, il faut le dire, il faut bien le préciser, donnant droit à M. Tobi Bidianga de posséder cette œuvre? Où est-ce qu'il a fait sa déclaration pour montrer à quel point il était abusé? Et quelles ont été ses plaintes, en dehors du fait qu'il ait mentionné par son conseil que je me suis approprié de l'œuvre dont je suis l'unique propriétaire? Bonsoir à tous. Je veux m'excuser à l'avance si peut-être j'ai dit des choses qui ne tiennent pas parce que je suis arrivé presque vers la fin, du propos de Mme Chadab. Donc, si j'ai dit des choses qui ont été répondues dans son propos préliminaire, vous m'en excusez. Donc, c'était pour un peu compléter la réponse de Madame sur la question de notre confrère de Dash. De Dash Media, sur l'appartenance de l'œuvre. En fait, en réalité, l'œuvre appartient à tout le monde de façon classique. Sauf que chacun a chacun a son carré d'appartenance, carré de propriété. Vous voyez un peu
La productrice, elle a la propriété commerciale, la propriété au sens propre du terme. C'est-à-dire, on dit qu'une maison t'appartient. C'est-à-dire que tu as le droit de disposer de cette maison, de la mettre en location, de la vendre si tu veux, de la donner gratuitement à une personne. Et le réalisateur a juste la propriété artistico-technique. Pour vous compreniez quoi? Ça veut dire que la propriété artistico-technique, c'est-à-dire que le réalisateur, lui, il a le devoir de remettre à la productrice un produit fini qui respecte les normes et les qualités technico-artistiques. Tout à fait. Le réalisateur, c'est un technicien, c'est un artiste qui doit remettre un produit fini à la productrice qui est propriétaire, à la production au producteur qui est propriétaire sur le plan commercial, sur le plan du copyright. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu effectivement gênant vu sur cet angle, c'est effectivement la productrice qui est responsable des copies, que ce soit des copies en termes de roche ou en termes de PAD. Vous comprenez? Donc, ça soit un peu vraiment clair dans votre projet. Je voudrais peut-être simplement rajouter une chose pour dire, parce que cette affaire, on l'a plus ou moins suivi, plus ou moins, depuis plusieurs semaines, et peut-être même depuis plusieurs mois. Parce qu'il y a eu les premiers éclats, plus ou moins l'été, on n'avait peut-être pas des informations claires. On sait qu'il y a des tournages qui se passent dans le pays. On est à peu près informé de ce qui se passe sur chaque plateau. On sait qu'aujourd'hui ça se passe bien, demain ça se passe bien. On n'avait pas des informations assez claires. Mais je parle ici parce que j'ai personnellement parlé à mon petit frère Toby. Je ne dis pas bien le petit frère dans le métier, hein. On n'a pas de relation filiale. On en a parlé. Ça, il faut. Et c'est pour ça qu'il tenait vraiment à être là aujourd'hui, parce que il y a des choses qui doivent être claires. Je suis réalisateur, je suis producteur, mais ma formation de base, je suis juriste. Je suis juriste. C'est ce que les gens savent peut-être pas. Et j'ai bien tenu à dire à Toby qu'il faut faire très attention sur ce qu'on appelle en fait le vice de forme. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que M. Camden, il me doit 50 000 ou 100 000 francs. Je viens pour réclamer mes 100 000. Je lui donne une chiffre, il paie deux dents. Et pendant que je pars lui porter plainte pour les 100 000 qu'il me doit et qu'il peut me rembourser à tout moment, lui me porte plainte pour coups et blessures qui lui a fait perdre deux dents. Et quand on regarde le code pénal, on voit peut-être coups et blessures, il faut qu'il me dédommage, je le dédommage pour ses deux dents à hauteur de 2-3 millions. On dit ok, va sur les 2 millions. Que tu lui dois, tu déduis juste tes 100 000 qui te devaient, tu lui remets. Donc, on appelle ça vice de forme. On peut avoir raison ou pas, on peut avoir raison partiellement ou entièrement sur une affaire, et c'est vraiment pour nos cadets qui sont là, qui sont dans le métier, parce que Flavien a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure, c'est que il faut dire des choses qui doivent aider l'industrie, pas qui doivent alimenter les polémiques ou les camps. Il faut dire des choses qui doivent aider l'industrie. Donc, elle a dit quelque chose de fondamental dans ce sens. Et je dis, nos jeunes doivent comprendre que tu peux avoir des raisons ou des revendications plus ou moins fondées et tout foirer dans la méthode. Tout foirer dans la méthode. Dès que j'ai vu l'information de cambriolage, entre guillemets, sur le net, il y a deux personnes que j'ai appelées. Bon, j'ai appelé Flavienne, elle était certainement sur le choc, et ça j'ai compris. Elle était peut-être pas à côté du téléphone. J'ai appelé Steve, parce que je savais que le film se montait dans le studio de Steve. Donc, s'il y a Cambriola, c'est dans ce studio. Ça ne passait pas. J'ai pris peur justement. Est-ce que ce cambriolage aurait emporté sa vie au moins, ou alors on l'aurait blessé? Et ensuite, j'ai appelé le réalisateur Toby pour dire qu'est-ce qui se passe. Et bon, je ne sais pas si Flavien nous l'a dit, mais il me l'a dit clairement que non, il est entré prendre les disques. C'est pas un cambriolage. Sauf que je lui ai dit, est-ce que c'est le monteur Steve qui t'a donné les disques? Ou alors est-ce que c'est la productrice qui t'a demandé d'aller chercher les disques?
Là, dis non. Est-ce que le monteur Steve, quand tu allais dans son studio, est-ce qu'il a su que tu venais chercher les disques? Non. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis venu pour qu'on mixe, fils de Lisa et Kim. Et lorsqu'il était un peu distrait, je suis parti avec les disques. C'est, je le dis parce que c'est une version que lui-même, il dit, j'assume. Il dit, j'assume. Et lorsque nous conversions, je me dis, est-ce que tu serais prêt que je suis sur écoute, moi, je suis sur écoute. Qu'est-ce que il faut dire ce que tu peux dire. Il a dit, oui, j'assume, j'ai pris. J'ai pris et à l'insu de Steve. Et je suis parti. Et j'ai dit, tu as tout foiré, mon petit. Parce que là, quel que soit, je n'étais pas très au parfum du fond du problème. Parce que j'attendais que Flavien digère un peu la sortie du film pour l'approcher et l'écouter. Je n'étais pas très au parfum. Mais quel que soit le fond, tu es tombé sur le coup du vice de forme. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Maintenant, pour finir, je suis un peu juste dérangé, très dérangé même par la situation de Steve. Parce que nous côtoyons ce garçon dans le métier depuis très longtemps, depuis qu'il était en formation, depuis près de 10 ans, 15 ans même par là. Et je suis très, très dérangé qu'il se retrouve dans cette situation-là. Et je voudrais donc sortir par là en posant donc ma question à la productrice. Est-ce que du moment où votre réalisateur assume et le déclare, d'ailleurs, c'est pas seulement moi, même à Steve et autres, il a dit, au moment où il assume qu'il a pris les disques et que c'est, on sait qu'on peut le trouver, au moment où il l'avoue, est-ce que vraiment ce serait pas, à mon avis, assez humain de trouver moyen de l'avoir et libérer Steve? Parce que Steve se retrouve dans un problème. C'est vrai, il a toute la responsabilité parce que ça s'est passé dans son studio. Ça s'est passé dans son studio et c'est un peu dérangeant. Ça, c'est vraiment le point qui me dérange sur cette histoire. Et ce que j'ai dit à Toby, on n'en parle plus. Le jour où il est venu à Canal Olympia, le jour de la sortie, j'ai été mis au courant qu'il est à Canal Olympia. Je lui ai appelé, tu fais quoi là? Il a dit, il vient tout stopper là. Laisse tomber tout ça, tu es trop jeune, tu as beaucoup d'autres choses à faire. Laisse d'abord, parce que du moment où vous avez un contrat, il faudra attendre l'exploitation du film pour voir si ce contrat n'est pas respecté et t'attaquer à cela. C'est beaucoup trop tôt. Il m'a promis qu'il devait s'attendre, qu'il devait, oui, attendre. Et au lendemain de la projection, je lui ai dit, appelle Flavien, parce qu'on a changé le soir. J'ai dit, appelle ta grande sœur, tu vas vers elle et vous discutez. Après, silence. Silence radio, et j'apprends seulement le cambriolage. Bon, je ne vais pas parler de l'incendie parce que je ne suis pas capable, moi, de faire un lien entre le cambriolage, entre guillemets, et l'incendie, mais après, on apprend juste tout ce qui s'est passé par la suite. C'est vraiment vrai. Donc, moi, le cas de Steve, moi, personnellement, me préoccupe. Qu'est-ce que madame la productrice peut faire pour que Steve retrouve la liberté? Puisque nous sommes vraiment tous convaincus que Steve a été victime de la ruse de votre réalisateur qui venait au studio disant qu'il vient pour finir le mixage du film, mais qui avait son plan caché dans la tête et dont Steve ignorait complètement. Merci beaucoup, monsieur Michel. Comme j'ai souvent l'habitude de t'appeler tonton parce que tu es un aîné du domaine. Vraiment merci d'apporter cette touche-là de connaissance sur la responsabilité ou bien sur certaines casquettes, la responsabilité sur certaines casquettes du métier. Revenons à la question. Je suis une mère. Je suis une mère. Et j'ai souvent eu à porter plainte aux gens. Mais je suis toujours allée dire aux enquêteurs, mon but n'est pas de leur faire dormir sur le ciment. Mon but, c'était pour que vous leur mettiez la pression, pour que j'entre en possession de ce que je leur demande. Je l'ai toujours fait. Il n'y a pas une seule personne au Cameroun qui va dire que j'ai dormi
en cellule parce que Flavienne est allée se rassurer que je dorme en cellule. Je suis, c'est-à-dire qu'au quotidien, je combats les injustices sociales. Je combats des injustices sociales. J'ai tellement reçu de la vie sans mériter que quand il faut poser un acte qui va priver quelqu'un soit de sa liberté, soit de son épanouissement, j'essaye de me demander si ça vaut vraiment la peine. Steve m'a franchement piétiné. Toby a allé au studio au moins pas 4 fois. Il a refusé l'accès à Toby. Ce jour-là, quand l'incident se produit, et je me présente à Bonamou Sadi pour l'arrêter, qu'est-ce qu'il a dit à l'enquêteur dès la première question? On lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, je suis venu trouver mon ami, il était sur mon bureau, il est entré dans, je suis entré dans la chambre, parler à ma copine, il a volé les disques. On lui demande, est-ce que la productrice ne t'avait pas demandé d'interdire l'accès à ton ami? C'est un ami, je ne peux pas lui interdire d'accès chez moi. Vous savez, Flavienne n'a pas qualité de dire qui entre chez moi ou pas. Même jusqu'à mardi, j'ai encore pardonné ce mot-là. J'ai dit que peut-être l'émotion, le choc de se voir arrêter pouvait lui faire parler, raconter n'importe quoi. Mais quand on arrive à un semblant de solution, où tu me dis pas chercher les disques de sauvegarde, tu viens avec. Je vais mettre sur la machine et ça va nous permettre de retrouver le projet monté. L'enquêteur en a causé, j'ai dit à l'enquêteur, je vous ai dit depuis hier que je suis dérangée de le voir ici. Et cette solution, je vais m'accrocher dessus. Je m'en vais à la maison, je fais le nécessaire et on va le libérer. Maintenant, celui-là, s'il veut, il mange les disques qu'il est avec, comme il veut me faire chanter. Et que en chemin, on me mette une telle pression. Je vous jure que je n'ai même pas eu une seconde pour ouvrir mon tiroir et regarder ces disques avec mes yeux. Aujourd'hui qu'on parle, ces disques sont allés en fumée. Je n'ai plus qu'une seule option. Dis à ceux que tu t'appelles malfrat et j'assume, parce qu'il est un voleur. Il est un inconscient, un ingrat. 30% sur un projet. Et je suis la seule à user de mon image, de mes moyens financiers. Je me réveille. C'est moi qui réveille tous les acteurs. Ils doivent en savoir ce qu'ils doivent réaliser. Je dois envoyer un toc à sa chambre à 8 heures pour qu'il vienne s'installer à la cabine de la voiture, je le conduis. Lui qui? Et je parle à un monteur responsable. Quand tu as une structure, tu es responsable. Je le pense, hein. Je te fais part de ce que j'ai subi au village. Et qui a failli me valoir une fessée. Tu oses blaguer avec mon investissement. Quelle trahison. Quelle trahison. Ça nous fait mal à tous. Mais sachez qu'aujourd'hui, j'ai doublement mal. Surtout quand je pense que si j'étais partie à ce rendez-vous inutile, j'aurais dû perdre. Et même comme je n'étais pas partie, si, comme je l'avais, je ne sais pas si je prophétisais dans ma publication d'avant, que parfois on recherche des anges au ciel, alors qu'ils sont autour de nous. Si cette dame avait subi la foule que je n'étais pas dedans, elle n'était pas allée sur la page Facebook chercher mon numéro pour m'appeler, je serais peut-être morte avec mon enfant dans la fumée. Et maintenant, on a des pauvres personnes, des pauvres internautes qui ont cotisé leurs moyens malgré les difficultés de cette vie chère que nous traversons pour faire des préachats en ligne et qui espéraient commencer à consommer l'œuvre
hier le Seigneur. Monsieur Steve Fosso avait promis de me livrer mon œuvre le 15. Si je mens, que Patrick Kenny, le distributeur et le propriétaire de la VOD Vori TV, j'aime démentir. Il attendait le produit fini depuis le 15 mars. Il avait d'abord dit début mars. Après, il a dit on va prolonger les 2 semaines. Qu'est-ce qui va me faire croire que il n'était pas en train de suivre le plan de ce voleur qui voulait ralentir la rentabilité de mon investissement pour qu'on arrive à ce résultat qu'on a aujourd'hui? Ma crédibilité est où? J'ai pardonné tout ça en disant à Patrick que voilà, on va essayer de communiquer autrement pour faire comprendre aux internautes, que, aux cinéphiles que voilà, avec la présentation du projet, la communication autour, ça nous a consumé et tout, et on n'a pas eu le temps de faire les choses à temps. On doit devoir trouver une faute technique pour justifier la non-mise en ligne de l'œuvre. Et qu'on se retrouve aujourd'hui face à cet acte que je qualifie de terrorisme. Ce garçon est méchant. Mais je le dis, qu'il vienne en public expliquer le tort que je lui ai causé. Qu'il sorte de sa cachette, expliquer le tort que je lui ai causé. Et s'il pense que, même si je perds ma vie aujourd'hui, il aurait gagné ce qu'il est en train de faire, même morte, plusieurs flagelles vont exister. Parce que je pense que jusqu'ici, j'ai pu au moins transmettre quelque chose, un petit quelque chose, qui fait en sorte qu'il y a un poignet de personnes qui ne peuvent pas, laisser ni tempête ou quoi que ce soit les affaiblir. Merci. Bonsoir, courage Fabien, je suis Hippolyte Carlos Wato, réalisateur. Bon, le contrat n'est pas à questionner parce que je pense que tu es assez outillé avec l'expérience que tu as dans le métier pour faire un contrat qui est préjudiciable. Et ce que Toby a fait, je ne le connais pas personnellement, est très grave. Et il faut dénoncer cela, surtout dans notre milieu. Maintenant, je sais une chose qui est claire avec tous les mouvements qu'il y a eu dans les réseaux sociaux. Ils se cachent davantage parce qu'il n'y a qu'un idiot pour ne pas se rendre compte de la bêtise qu'il a commise. Et ça sera très difficile pour lui de sortir maintenant pour faire quoi que ce soit. La question que je voudrais poser à Flavienne, c'est est-ce que si on parvient à récupérer, parce que le dernier message que quelqu'un a transféré venant de lui, lui voulait remettre le disque en présence de la grande famille cinématographique de Douala. Je pense que tout ça vient de la peur qu'il ressent déjà en lui. Est-ce que si on récupère les disques, Flavienne est prêt à passer l'éponge et continuer la promotion de Miraculé qui a été produit à beaucoup de millions? C'est ma question. Merci. Merci beaucoup à tous. Vous savez, en toutes circonstances, on devrait toujours mettre les douleurs, qu'elles soient profondes, des côtés et prenez la paix. Mais ce que je vais vous dire, c'est que mon souhait aujourd'hui, c'est que pour avoir fait au moins 4 assises et qu'il a demandé des excuses, c'est que Toby ait le courage. Je ne vais pas l'arrêter. Quand tu mets quelqu'un en prison, tu n'as pas gagné. Ce que
envie de faire, c'est que Toby sorte de sa cachette et vienne, comme j'ai appelé son avocat, j'étais en train de lui dire, avant qu'il ne me demande de ne plus l'appeler pour cette affaire. Je voulais en fait que mon avocat s'asseye et que son avocat s'asseye. Il explique réellement ce que je lui ai fait et que les deux conseillent. Plus maintenant, nous lions nos droits et mettre chacun face à sa responsabilité. Vous êtes tous témoins dans la salle que j'ai été à plusieurs reprises diffamée. Ça, c'est sur la toile parce que quand je lis un peu le forum des producteurs, je comprends l'ampleur de la diffamation qui a été faite dans le bac. Tout ce que je recherche, c'est la vérité. Parce que c'est la vérité qui fait une réputation. C'est la vérité qui peut construire une notoriété solide. Je ne vis pas pour de l'argent. Je ne vis pas pour faire la promotion de mes avoirs ou des grandes relations que je fréquente. Parce que toutes ces relations-là dépendent d'un seul être qui est le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Qu'il sorte de sa cachette et qu'il vienne me dire, voici ce dont je rompe, voici ce que je veux que la productrice fasse, voilà, voilà, voilà. Qu'on lui dise que face à ce contrat-ci, voici comment ça va se passer. Parce que face à ce contrat, il faut que je mentionne très bien. Et le rapport, parce que comme vous voyez, il ne m'a même pas laissé lever à soi pour qu'on parcourt ces rapports de production et qu'on établisse les manquements. Il n'a même pas permis. Parce que son avocat me parlait même déjà de... Non, c'est pas son avocat, c'est lui qui parlait dans le voice de la projection qui est passée. Le voice qu'il a envoyé lundi, la projection qui est passée, qui n'a même pas de rapport de la projection. Je ne suis pas son employé, je suis désolée. Qu'il vienne s'asseoir, il me pose des questions. Moi, je n'ai pas peur. Et je ne pense pas que j'ai des cornes pour faire peur aux gens. Donc, voilà ma conclusion. Et aussi, qu'il sache que même sans ces disques miraculeux faire exister, il perd son temps. Et c'est lui qui va rester dans le trou. Parce que moi, Tchata, je vais marcher partout. Et je n'ai peur de personne. Je n'ai pas peur de mourir. Lancez même la bombe. Je dis que même mort, il y aura 1000 Tchata qui vont naître. Bonsoir tout le monde. Beaucoup de courage à Fabienne qui a subi pas mal de choses ces derniers jours. Je suis un peu peiné par tout ce qu'elle vit, et également peiné par Steve qui est au cachot. Je suis parmi ceux qui ont tenté de faire une médiation chez l'avocat de M. Toby Bizanga. Mais je dois vous dire que tout découle de l'acceptation de notre productrice parce que nous nous sommes rencontrés à Bonanjan. Depuis des jours, on essaye, nous tous, les collègues savent, à essayer de coincer Toby parce que, avec tout ce que la dame a expliqué, il fallait coincer le gars et récupérer les disques. Il n'est pas joignable, personne ne parvient à repérer son domicile. Ses amis ne disent pas où il vit, parce qu'on est tous collègues, mais on n'est pas amis. On ne sait pas qui vit où. Pendant deux jours, on a essayé de localiser le gars, ce qu'on n'a pas pu. Quand j'arrive à Bonanjor avec Gislain, il décroche le téléphone finalement. On dit, tu es où? On veut te voir. Il dit, pour le voir, il faut que Flavien soit là. On dit ok, il n'y a pas de problème. Parce que bon, pour nous, entre collègues, on peut trouver une solution rapidement à l'amiable.
Donne-nous le lieu et puis on se déporte. Ils disent la rencontre peut avoir lieu dans le bureau de son avocat. On dit ok, attends, on va appeler Flavienne. Si elle est d'accord, on te confirme. Ghislain appelle la productrice et elle dit il n'y a pas de problème. Organisez la rencontre. Et puis on confirme à Toby. La rencontre est confirmée. Il dit ok, j'y serai. À 17h30, on se déporte donc au bureau de l'avocat. Toby, lui, n'est pas là. Elle n'est pas là. Toby régulièrement appelle, est-ce qu'elle est là? À un moment donné, on a joué le jeu, on a dit à Toby, elle est déjà là. Et Toby sort de sa cachette. On se retrouve donc au bureau de l'avocat. La dame dit qu'elle ne peut plus venir, comme elle vous a dit, que ce n'est pas Toby qui peut lui dicter ce qu'elle doit faire ou pas. On se retrouve coincé et l'avocat dit, est-ce qu'elle est mandatée? On n'a pas le fond du dossier. Notre souci, c'est récupérer les titres. Et l'avocat nous dit, l'affaire, il faut que Flavienne porte plainte. Nous n'avons pas lu le contrat. Notre souci, c'est faire libérer notre collègue. Elle n'est pas là. L'avocat dit, je ne peux pas vous recevoir. On est sorti. On a attendu presque 2 heures de temps. Au bas de l'immeuble. Parce que notre souci était d'échanger avec le gars. De collègue à collègue. Comment tu peux faire une chose pareille? Il n'est pas descendu. On est donc rentré. Jusqu'à cet instant, on n'a pas pu l'avoir. Il ne décroche carrément pas le téléphone. Personne ne sait où il vit. Je voudrais demander à Flavien qui est dans son bon droit, puisque le contrat est là, avec tout ce que tu as vécu au village. Et donc, nous avons, avant que tu le dises, certaines personnes qui ont un peu d'expérience ont eu vent de ce que tu as vécu et compatissent. Personnellement, moi je souhaite, puisque le souci c'est de retrouver les 10 des millions d'investissements, mon souci c'est ton apport. Je ne sais pas, peut-être des enquêteurs, pour qu'on puisse localiser le gars, tracer son numéro, pouvoir le traquer et l'arrêter. Parce que, tel que tu expliques, c'est si Steve ne vient pas avec les 10, il est au cachot. Comment il peut porter plainte? Comment il peut se voir? Comment il peut faire pour rendre le disque dont il était le responsable? Parce qu'il était le responsable. Comment on peut faire pour qu'il vous remette les disques étant en Bastille? Ça, c'est la question que moi je pose. Parce que depuis des jours, à notre niveau, on essaye de localiser le gars, on ne parvient pas. Est-ce qu'avec ton appui, ton apport, on peut pouvoir le faire? C'est ma contribution. Merci beaucoup. Très pertinent et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je répondrai tout simplement en demandant à quoi ma responsabilité est nécessaire dans le souci entre deux. Steve a dit que c'est son ami. L'avocat de Steve a dit qu'il partait porter plainte depuis mardi. Pourquoi jusqu'ici il n'a pas porté plainte? Mener les actions qu'il faut par rapport à l'acte que M. Sifoso a posé. Je ne veux pas subir tout ce que j'ai subi, risquer mon investissement, perdre le toit, me retrouver aujourd'hui en train de errer, à stresser pour où je vais dormir et réfléchir encore sur la pluie. Cette série, si j'étais morte mardi ainsi que ma fille, ça ne pouvait pas me ramener à la vie. Je répète encore, Miraculé va exister, qu'on retrouve les disques ou pas. Miraculé va exister. Et je ne vous garantis aucun soutien. C'est-à-dire, ne comptez pas sur moi pour aller faire les réquisitions ou pour faire quoi que ce soit, pour pouvoir tracer Toby. J'ai vu un danger venir depuis. Et le 19 février 2023, j'ai parlé à Steve. Je suis allée m'asseoir au studio pour lui parler. Il m'a dit que la situation le met un peu inconfortable.
Je lui ai dit, si tu es inconfortable, remets-moi mon projet, je m'en vais confier ailleurs. Il m'a dit, Flagène, laisse, je vais gérer. Il faut qu'il gère jusqu'à la fin. Quand vous n'arrivez pas à le trouver, je fonctionne avec l'hélicoptère pour marcher de toit en toit pour guetter là où je ne scanne pas les toits pour pouvoir le repérer. Donnez-vous les moyens qu'il faut pour mener vos actions. Et soyez-en sûrs. Où je suis actuellement, j'ai fait ce point de presse pour ne pas qu'il reste dans son histoire, dans son trou où il est là, et croit que Flavienne est quelque part en train de pleurer. Ce sont les réseaux sociaux qui pensent que je pleure, parce que je ne pleure pas. C'est-à-dire, à chaque situation, des nouvelles idées. Et je ne paye jamais dans ma vie. Je n'en tire que des leçons. Croyez-moi qu'à l'heure où je suis, toute la journée d'hier, j'ai écrit plus de 30 pages. Un nouveau projet en cours. Ce que Flavienne explique est tout à fait encore un peu plus. En fait, dans la logique des choses, Flavienne a, en réalité, parce que là, nous sommes là maintenant. Tout à l'heure, là, on parlait des relations humaines, mais dans la logique des choses, Flavien n'a aucun élément qui lui permet de porter plainte à Toby. Aucun. Ils n'ont aucun problème. Hormis les discordes qu'ils avaient depuis quelques semaines sur les questions du film. Ils n'ont aucun problème concernant ce qui s'est passé. Elle a un rapport des disques avec Steve. Avec son pourcentage. Avec son pourcentage. Avec Steve, qui est son prestataire au monteur, qui est une entreprise à qui il a confié le projet. Et c'est dans les locaux de cette entreprise que les disques ont subi un problème. Donc effectivement, dans la logique des choses, c'est ce que depuis on parle aussi comme en famille, mais dans la logique juridique des choses, c'est l'entreprise de Steve qui doit entreprendre des démarches pour récupérer les disques qui ont été de son client, qui ont été perdus, qui ont été camionnés dans ses locaux. Donc, je comprends un peu plus. Si elle veut aller porter plainte contre Toby, ce sera pourquoi? Vol de mes disques. Où? Les disques n'étaient pas chez elle. Donc, je crois que la piste où l'avocat de Steve doit se dépêcher. Parce que là, je connais Flavienne. Quand elle veut, quand elle ne veut pas, elle ne peut pas. Comme elle a déjà dit là, qu'elle ne libérera pas notre collègue, qu'elle ne libérera pas Steve. Et à la limite, on dirait de bonne guerre. Parce que les backups qui étaient chez elle, les disques backups qui étaient chez elle sont brûlés. Donc on n'a plus que les disques qui sont chez Toby. Donc l'avocat doit effectivement se dépêcher d'entreprendre tout ce qu'on dit là. Ce n'est pas à elle de donner l'accord que Toby soit traqué. Parce que Toby ne lui a rien volé. Soit si on se comprend, Hervé, Toby ne lui a rien volé. Toby a volé des disques à Steve. Ça, on sait. Voilà. C'est donc, quand vous êtes au niveau de la médiation et en contact avec les conseils de Steve, il faut se dépêcher que Steve, que le conseil de Steve entreprennent rapidement les mesures qui s'imposent. Et jusque-là, on ne peut rien faire tant que Toby n'a pas une plainte. Parce qu'en matière de droit, c'est quand il y a plainte qu'il y a recherche. Que l'action. Voilà. Donc pour le moment, c'est un gars qui n'a aucun problème. Et rappelez-moi que je ne suis pas sa femme. Non. Il ne cherche plus à nous voir. Et je ne suis pas son égal. Donc il faut absolument. La première chose urgente, Hervé, comme vous dit à l'avocat, la première chose urgente, c'est d'avoir une plainte de Steve et son entreprise contre quelqu'un qui a dérobé les disques de sa cliente dans ses locaux. Ça, c'est la première chose. C'est ça qui peut déclencher tout le reste, les enquêtes, le tracking des numéros. Tant qu'il n'y a pas une plainte, il n'y a rien. Là, même là, si vous voyez Toby dans la rue actuellement, vous n'avez pas le droit de le toucher, il faut le savoir. Vous le touchez, lui, il peut porter plainte pour agression. Mais s'il y a une plainte,
avec un mandat d'arrêt ou d'amener, je ne sais pas, qui en bonne et due forme, qui demande que n'importe qui le voit puisse l'amener, à ce moment-là, oui. On se comprend. D'accord, c'est la position que je vais faire. Bonsoir. Je ne suis pas trop connu du monde cinéma, je suis journaliste. Je me prénomme Guy Henry et je travaille pour Griotte. Mais je côtoie le monde du cinéma depuis pas mal d'années. Mais ici, je ne veux pas parler dans le monde du cinéma, je veux parler en tant que quelqu'un qui défend les droits humains. Puisque je suis spécialiste des droits humains et quelqu'un qui étudie la psychologie des personnes qui ont subi des violences. Et là, j'ai suivi des interventions des uns et des autres. Et je vais rejoindre un peu l'avis de mon frère, juriste, pour dire aux uns aux autres, du côté psychologie, il faut que tu traverses ou alors que tu subisses une violence pour comprendre la personne qui est devant toi, qui a subi la même violence, et comprendre pourquoi est-ce que la personne a entrepris certaines démarches. Donc moi, je ne pense pas que, comme mon frère le disait, qu'on demande à Flavienne d'avoir une empathie. C'est vrai que humainement, on devrait l'avoir, mais quand quelqu'un a subi une violence à un certain degré, il est difficile pour la personne, il faut d'abord que la personne intègre encore la sortie de cette crise-là. Est-ce que quelqu'un peut évaluer ce qu'elle a subi depuis, je ne sais pas combien de temps, depuis mardi d'abord jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut évaluer ce qu'elle traverse actuellement dans son moi intérieur pour qu'on lui demande l'impossible? Je pense que si on lui demande une médiation aujourd'hui, c'est l'impossible. Donc, cherchons, ou alors que les amis du scénariste, réalisateur, et les amis du monteur, je sais que vous êtes tous des amis, et si quelqu'un me dit qu'on ne sait pas où l'autre habite, moi je dirais que c'est un mensonge. Vous pouvez connaître où tout le monde habite parce que vous vous connaissez tous, et vous connaissez comment traquer quelqu'un. Si vous voulez traquer quelqu'un ici à Douala, traquez votre ami et remettez le travail de Flavien. Vraiment, ça c'est ma contribution aujourd'hui. C'est bon, si c'est bon, si on a fini, s'il n'y a plus d'intervention, c'est bon? Ah d'accord. Je tiens à vous dire infiniment merci d'avoir rendu présent à ce rendez-vous. Et surtout, j'espère que vous avez bien compris l'objectif de ce rendez-vous qui n'était pas de se victimiser, mais de mettre au clair certaines choses. Et nous avons eu l'occasion d'avoir dans la salle un juriste, M. Michel Kouyaté, qui nous a apporté pas mal d'éléments, non pas pour me donner des éloges, mais pour nous édifier sur certains détails de ce métier que nous avons choisi de faire. Et je prie tout le monde qui aspire, tout le monde qui compte faire dans cette, c'est-à-dire qui compte voilà intégrer cette industrie, à franchement se documenter. Si tu ne peux pas te documenter intellectuellement, documente-toi humainement pour avoir de temps à autre un pincement lorsque l'autre t'interpelle. Lorsque ton prochain t'interpelle. Ne soyons pas des êtres humains sans sentiments. C'est ça qui nous conduit à ce que nous vivons actuellement. Tout simplement parce qu'on se dit, toi c'est qui? Tu penses que quoi? Tu as fait quoi que qui n'a pas encore fait ou que qui ne peut pas faire? On passe le temps à se piétiner. Au lieu de s'entraider, au lieu de se serrer les coudes, nul n'est plus grand que l'autre dans une industrie où une œuvre produite a besoin de toute une équipe entière. Et lorsqu'on parle de l'équipe, on parle de la collaboration.
on parle de la communication. Lorsque ça ne va pas, honnêtement, essayons de comprendre l'autre. Quand on dit comprendre l'autre, c'est de comprendre des aînés comme lui, M. Michel, parce que non seulement il est jeune, mais il est un aîné du métier. Il a des expériences du plateau. Il a la maîtrise des émotions. Avant d'aller voir les avocats, rassurez-vous que ces avocats-là ont la maîtrise des clauses de contrat qui vous lient avec vos visages, avec vos collègues. Parce que certains, comme ce que je vous montrais là, je ne pense pas qu'il ait lu le contrat pour confondre en fait le propriétaire et l'auteur. Ce qui est une erreur très grave et je me demande quel droit il a appris à l'école. Honnêtement. Parce que tout ce qui se passe, s'il n'avait pas eu un conseil qui est arrivé à ce niveau, je ne crois pas qu'il aurait eu un tel courage, même si c'est un collègue qui le conseillait. Donc honnêtement, nous avons encore plus à faire que le jeu d'acteur, la réalisation et tout ce qu'on fait sur les plateaux. Documentons-nous, c'est très important. Et ça va nous éviter des problèmes plus graves que ce qu'on a actuellement. Merci beaucoup.